Okay, well, let's get started. Bonjour tout le monde en France, au Canada, tous les pays français. Nous sommes de nouveau avec Elisabeth Van Ross et Equine Normandy. Et Elisabeth va nous amener. Tu es où maintenant, Elisabeth? Je suis à Moyon, en Normandie. Moyon en Normandie, et elle va nous apprendre des choses et elle va nous showing Elle va nous montrer. montrer des choses et elle va nous montrer Diva. C'est le cheval de Julia, et elle va nous montrer comment elle est et la balance à ce jour. Non, Correct? les. C'est vraiment, on va discuter un petit peu de comment le cheval est construit, l'anatomie un petit peu de ce cheval en particulier. La semaine passée, on a travaillé avec, quoi, travaillé, on vous a montré un vieux cheval de 29 ans qui nous avait bien montré la différence entre un cheval, quoi, un cheval qui a les jambes de longueur assez… comment dire, harmonieuse, aussi longue devant que derrière, à peu près, hein, c'est toujours un petit peu plus court. Mais aujourd'hui, on va vous montrer Diva. Alors, Diva, ce n'est pas du tout le cas. Elle a les jambes de devant beaucoup plus courtes que celles de derrière. Et elle a aussi d'autres problèmes. Elle a des genoux, par exemple, qui n'arrivent pas à se verrouiller comme les genoux d'un cheval normal. Alors, ça lui pose des problèmes. Elle a maturé maintenant, mais quand on a commencé à travailler avec elle, elle avait un cou, une encolure qui était un peu courte. Et elle est assez. Mais ce qui est bien avec les chevaux, c'est qu'eux, ils ne se rendent pas compte qu'eux, ils ont ces problèmes, ces défauts que nous, on croit avoir en eux. Eux, ils savent simplement qu'ils sont nés comme ça. Mais nous, on doit demander nos questions et demander de ce qu'on veut d'eux, d'une certaine façon, pour incorporer cette idée que pas tous les chevaux sont construits de la même chose. Alors aujourd'hui, c'est vraiment simplement pour vous montrer un autre type de cheval. Un cheval qui peut-être, si quelqu'un la regardait pour l'acheter, dirait « Ah non, non, je ne veux pas de ces problèmes-là. » Pourtant, ce serait dommage parce qu'elle a un cœur de lion, cette jument. Elle est très belle, elle est très athlétique et elle ne veut faire rien que de nous faire plaisir. Alors, je vais changer la vue, comme ça vous pouvez voir. Alors là, ça c'est Julia que vous voyez. Julia, bonjour. Bonjour. Alors, Julia est une jeune cavalière qui travaille avec moi depuis un an maintenant, qui commence à comprendre comment incorporer l'anatomie du cheval et sa locomotion dans le travail qu'on fait. Et là, vous êtes en train de découvrir Diva. Alors, Diva a 5, 6 ans, 5 ou 6 ans maintenant. Je me rappelle jamais de la lettre, si c'est 5 ou 6, le D. Et on va la regarder de côté. Alors, je vais aller de ce côté-là. Et vous allez voir, ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est vraiment la différence. Alors, là, c'est la jambe de devant qui n'est pas très, très longue. Et la jambe de derrière qui, en effet, est beaucoup plus longue. Et si on prend un stick et on met le stick juste là, juste sur le grasset, et on le descend vers le coude du cheval, on va voir que ça descend vraiment assez comme ça. Alors là, on va essayer de le faire sans faire peur à cette gentille petite fille qu'on ne veut pas lui faire du peur du tout. Je ne sais pas si ça se voit très bien parce que noir sur brun foncé, ce n'est pas toujours facile à voir. Mais non, là, elle décide qu'on lui demande de tourner. Voilà. Mais là, vous pouvez voir vraiment cette longueur de jambe. Alors, vous allez me dire, ben, est-ce que vraiment il y a un problème avec ça? Ben, la plupart du temps, quand on regarde un cheval pour juger son équilibre, et là, tu vas devoir m'aider, Julia, c'est longitudinal, c'est comme ça que ça se dit en français. Mais quand on regarde des oreilles du cheval jusqu'à la croupe du cheval, on regarde pour voir si le garrot et la croupe sont à peu près au même niveau. Là, on voit que elle maintenant est un peu plus élevée devant que derrière, ce qui est une bonne chose pour les choses que nous on veut du cheval.
Alors, on se dit super, on a un cheval qui est construit comme ça, on va pas avoir de problème. Sauf que une jument comme elle, qui est très courte de pattes devant et longue derrière, déjà avec la puissance de la jambe arrière, se pousse beaucoup trop en avant et elle doit lever la tête pour garder son équilibre longitudinal. Ouais, voilà. Longitudinally, on dit en anglais. Ce qui est un petit peu perturbant pour le cavalier, surtout un cavalier qui a été appris que pertinemment, le cheval doit avoir sa tête en bas, avec le dos tendu, etc., etc. Des mots que franchement, je pense que la plupart des gens ont un peu de la peine à vraiment comprendre le sens de ce que ça veut dire quand on l'applique sur le corps du cheval, et des choses que nous, on essaye de vous donner des alternatives, parce que normalement, ces genres de choses nous mènent dans le conflit avec le cheval, surtout un jeune cheval comme celle-ci que vous voyez devant vous, parce qu'elle ne peut pas répondre à ces questions comme ça. Diva, pour elle, pour ce qu'on a dû faire avec elle, pour qu'elle puisse s'équilibrer de devant à derrière, c'est lui expliquer comment vraiment plier les articulations de ses jambes postérieures, comment faire le rétroversion du bassin et de vraiment pouvoir abaisser un petit peu derrière, gentiment, d'une façon qu'elle puisse se rééquilibrer de cette façon-là. Alors, là, c'est une des choses qu'on voulait discuter avec vous aujourd'hui. La deuxième chose, c'était vraiment l'équilibre latéral. Alors, pour l'équilibre latéral, ce qui veut dire d'un côté à l'autre, on regarde surtout le poitrail du cheval. Alors, on va voir si elle me... Voilà, elle reste bien calme là. Alors là, on va voir qu'elle a quand même un bon développement de musculature de son poitrail, mais qu'elle est assez fine devant. Il n'y a pas grand-chose. Elle n'est pas vraiment carrée comme une jument qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante. Elle est vraiment assez mince devant. Ce qui veut dire que non seulement est-ce que son équilibre de devant en arrière est un peu compromis par la façon dont elle est construite, mais aussi le fait que ce qui se passe devant, c'est que c'est plus menu et petit que ce qui se passe derrière. Alors derrière, elle est pas mal, il y a pas mal d'épaisseur du bassin, ce qui lui donne un équilibre de côté à côté un peu mieux. Alors les termes qu'on utilise sont assez simples. On essaye de garder tout ça hyper simple, hein. La science peut devenir très compliquée et nous, ce qu'on veut juste expliquer aux gens, c'est que si vous avez des chevaux avec ce genre de construction, ils vont avoir des problèmes d'équilibre, surtout une fois que le cavalier se met sur le dos. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'aller voir dans votre écurie qu'est-ce qui se passe avec l'anatomie de votre cheval à vous. Est-ce qu'ils ont des jambes longues devant? Un peu plus longues, ce qui veut dire qu'ils sont un peu plus équilibrés sur la ligne du dessous. Est-ce qu'ils ont un garrot qui est plus haut que le bassin ou le bassin qui est plus haut que le garrot? Est-ce qu'ils ont un dos qui est trop enfoncé, trop bas? Est-ce qu'ils ont une encolure trop courte? Et aussi, Diva a été commencée par des gens qui utilisent des méthodes très traditionnelles et on voit bien que son encolure en a souffert. Alors là, elle a un déficit de muscles, ça c'est le trapèze qui n'a pas fonctionné, c'est beaucoup mieux que c'était avant. Et ça c'est le rhomboïde qui est beaucoup trop gros. Alors ça c'est normalement quand le cheval est vraiment monté avec cette idée traditionnelle de garder la tête et l'encolure très rond devant, que ça vraiment ça fait et que la tête descend le nez un peu vers le poitrail. Ces genres de choses-là, ou même si on travaille un cheval beaucoup trop en reine allemande, on va avoir ce genre de développement. Il faut comprendre que le cheval baisse la tête parce que c'est un résultat de ce qu'on leur demande de faire avec les postérieurs et leur dos et surtout leur bassin, que ça n'a rien à voir avec le but de ce qu'on doit essayer de produire avec nos mains et nos rênes. Alors, juste quelques petites choses à vous. Pour vous donner des idées, peut-être des nouvelles idées, des choses à réfléchir. On va continuer avec tout ça. Je vais juste me retourner ici. Et voilà. Et merci beaucoup, Julia et Diva. On reviendra la semaine prochaine avec un autre jeune cheval qui s'appelle Éole. Et lui, il est assez intéressant
parce que lui, il est aussi construit un peu comme Diva du fait qu'il est très court devant. Mais quand il était un peu plus jeune, il était aussi en bas dans le garrot. Le garrot était plus bas que le bassin. Alors, encore un problème de plus pour lui à gérer. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. J'espère que vous allez regarder vos chevaux avec des yeux un peu nouveaux et vous rendre compte que si vous avez un cheval construit, juste une petite chose de plus, si vous avez un cheval construit avec les jambes très courtes devant, surtout, surtout, avant qu'il ait compris comment utiliser ce genre de morphologie, ne lui demandez pas d'aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Vous allez simplement le mettre de plus en plus, en plus en plus, hors de son équilibre. Et une jument comme celle-ci, par exemple, maintenant gère le stress de ce qu'on lui a fait quand elle était plus jeune en secouant sa tête. Alors, elle secoue sa tête du point au point que quand je commençais à la travailler, elle secouait tellement la tête qu'elle est tombée par terre. Elle n'arrivait pas à s'équilibrer et elle tombait par terre. Alors, voilà, on va vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que si vous avez des questions ou si vous voulez juste mettre dans le commentaire sous la vidéo d'où vous êtes, même nous montrer une photo de votre cheval, si vous voulez. On va commencer à aller beaucoup plus loin dans ce qu'on va vous proposer comme information. Mais c'est juste un petit début, un petit commencement. Et ceux qui me connaissent savent où ça va aller, parce qu'ils ont pris des leçons déjà. Et ceux qui découvrent, j'espère que vous allez profiter du fait qu'on va vraiment énormément clarifier les choses pour vous. Parce que je sais que le monde du cheval, des fois, ça peut être un peu concernant, un petit peu difficile à comprendre. OK. Well, there you go, Monique. Thank you very much, Elizabeth. That was amazing. I understood almost everything. My French will improve. And, excellent. We will keep going with this. Thank you. Yeah, super. Ben, merci beaucoup, Monique, qui est au Kentucky en ce moment. La technologie est tellement super. On peut se regarder, se voir et se parler un peu dans le monde entier. Okay, so we will see you again soon, Monique. I'll be in touch with you anyway. Thank you.